Salut tout le monde! Petite vidéo rapide pour vous dire que je suis en train de modifier tout le labo. Bah, tout le labo. Parce que j'ai cette table-là qui va toujours tourner. On peut voir, j'ai tout qui est en bordel parce que je suis en train de tout refaire. Donc, j'ai ma grande table avec les fédols. Pour l'instant, je n'ai pas d'évasion. Il y a quelques tentatives d'évasion dans la DC ouverte. Quelques tentatives, mais elle reste dans l'huile de paraffine, donc j'ai pas de fourmis en balade. Et le changement aura lieu par rapport à cette partie-là que vous connaissez, hein, cette partie avec la grande table là, où il y avait l'étagère et là j'avais une grosse armoire imposante. Donc l'armoire est sautée, l'étagère là va sauter et je vais rajouter trois grandes tables, deux ou trois grandes étagères de 2 mètres de long pour pouvoir accueillir. Bah, tout ce qu'il y a en préparation, j'ai pas mal de tubes, je commence à avoir pas mal de fourmis qui se développent pas mal. Donc on va prévoir ça et puis bah il va falloir anticiper le coup. Donc ça me permettra certainement, quand ma Messor qui est dans ce nid-là, là, ça me permettra certainement de faire sauter cet ADC-là et de lui mettre une big ADC, parce que je compte lui mettre une très grosse ADC. Sachant que celle-là se développe quand même. Attendez. Le nid que j'ai posé la dernière fois, c'est quand même bien, bien colonisé. Il y en a autant dans le petit. Et que la sortie de diapose se fait tranquillou. Donc on va anticiper le coup. Et puis ben, on va voir pour avoir deux grandes étagères ici. Hein. Une qui sera à la hauteur de celle-là, qui ira jusqu'au mur. Et je pense en faire une à hauteur du bureau, qui ira aussi jusqu'au mur. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Il me faut de la place. J'ai besoin de beaucoup de place. Donc voilà pour les nouvelles. Bisous, bisous.